Yo, c'est l'équipe. Dans cette vidéo, vous allez voir le premier épisode de Marcus Smith. C'est un nouveau personnage qui entre dans les balades sur NS Life. Je suis venu, j'ai fait des rencontres avec le gang, ça je voulais pas montrer parce que ça sert vraiment à rien. Et ensuite, on est directement parti vendre de la drogue, on essaie de chercher des territoires. Bref, bon visionnage, tchuss! Et lui, il a pas de temps. Vas-y, passez-moi un peu. On va se faire niquer les mains. Attends, je t'en passe un peu, 2 secondes, j'enlève juste mon masque. Okay. Parce que sinon, il va pas vouloir. Hop. Attends, hop. C'est normal s'il y a, y a pas de. Ton masque, enlève ton masque. Ah ouais, merde. Tiens. Vous en avez déjà, trop. Si. Vas-y, c'est bon. Dans un carré. Tiens. Vas-y, ferme ta gueule, gros, c'est pour moi. Voilà. Voilà, moi j'ai un truc pour vous. Au calme, au calme. Tiens. T'en veux toi aussi? Vas-y, vas-y, cadeau, cadeau. Non, pas cadeau, 80$. T'en veux pas? Ok. Moi j'en vois 90 là. Yo le monde. Le monde, le monde. C'est bon, cassez-vous, cassez-vous. Allez, oh. Oh. Il va shoot, il va shoot. Il a pas de tension, mon âme. Ouf. T'es arabe ou quoi, bâtard de. J'ai dit quoi? J'ai dit des Wallah. J'ai pas dit ça? La vie de ma mère, t'as dit ça? Arrête de dire de voilà, voilà, voilà. Non, mais la musique, ouais, il vient de la chanter là. La musique. Mais arrête de chanter la musique tout le temps, bâtard. Ouais, excuse. Oui. Vous voulez qu'on vende où en fait? C'est une dinguerie, tout le monde. Eh ouais, mais ça reste tout le temps là-bas ou au bout d'un moment, il y a des gens qui veulent autre part? Ils nous poursuivent, ils nous poursuivent, ils nous poursuivent. Ok, ok, je parle pas le véhicule. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, je cours, je cours. Mais oh là là, ça me suit moi aussi. Arrête-vous en pied. Oh, Lil G, il fait demi-tour. Marcus, va dans la ruelle, va dans la ruelle à droite, Marcus. Moi, ça y est, je suis libre. Ça y est, ça y est, ça y est, moi j'ai réussi à le réchapper. Putain, devant eux, j'ai. Bien joué, Marcus, bien joué, Marcus. Oh, il sait... oh, attends, il est où l'autre là? Litchi, Litchi, si t'as un véhicule, ouais, viens prendre. J'ai pas de véhicule, man, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai essaye d'en avoir un, essaye d'en avoir Yo, man. Je vais essayer, mais je crois que j'ai plus de titres crochetage. La tête de WAM, frère, je suis là, je suis là où ils nous ont masquez-vous, pété. Masquez-vous, masquez-vous, masquez-vous. Ah, ils vous ont pété? Non, là je suis caché dans les, il tourne, dans les il jardins, tourne. Frère. Mais ils tournent de ouf, man. Mais moi j'ai fait demi-tour en fait quand on est passé. Moi je suis. Calez-vous dans des endroits où ils peuvent pas venir en voiture. Oh là là, oh là là, ils sont là, ils sont là. Descendu, ils sont descendus les. Eh, je finis de vendre moi. Il dit c'était trop facile, non? T'as dit quoi? C'est trop facile. La tête d'homme. Eh hey, Marcus, oh Marcus, fais gaffe, oh, Marcus, putain, fais gaffe, je suis à côté pas de toi. J'ai pas de kit de crochetage, j'ai une sultane noire garée devant moi là. T'es où, man? Je suis au cimetière, à côté du cimetière. Oh, attends, envoie-moi un message comme ça, je t'envoie une pause. Oh. Marcus, il se fait péter, Marcus, il se fait péter. Oh. Il avait de la weed sur lui. Je sais pas, il est juste devant la supérette, les man. Ah, ah, non, non. Vite, envoie-moi un message. Le ah, merde, ah, presque, ah, ah, je voulais pas. Non, j'arrive, oui, c'est pas grave. Excusez-moi. Ah. J'ai un putain de visée sur lui. On peut rien faire, le frère. Ou des toys. Frère, je peux rien faire. Pas de geste brusque. Non, non, aucun geste brusque, man. Je vais chercher la voiture.
Ouais. Je te laisse faire les procédures, t'as l'arme. J'ai rien fait de mal. Je vais attendre que tu reviennes avec la voiture. J'ai rien fait de mal, moi. Bah, pourquoi tu cours quand un agent de police te demande Parce que vous me suivez avec une M4. C'est pas une M4 d'abord, hein, c'est déjà. Pareil, ça fait mal. Ah bah ouais, mais j'ai pas tiré. Ouais, mais pourquoi tu es là? C'est pour faire peur. C'est parce que la ville est en DEFCON. DEFCON, ok. Bon. Bah donc, bonne journée, man. Pourquoi tu peux... Pourquoi tu peux... Non, 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 tu bouges pas. Ok, ok. Tu peux enlever ton casque s'il te plaît? 10-4, on va rentrer en l'enlever, s'il te plaît, en lui visser droit et on rentre. Pourquoi je te l'enlèverais? Bah parce que je sais pas, j'y arrive pas trop. Il est un peu bloqué, j'ai besoin que de quelqu'un fort, moi je suis pas si fort que ça. Allez, 1, 2, 3. Plus fort que ça, c'est un pain dans ta gueule, hein, donc je te conseille de l'enlever. Non mais vraiment, man. Il faut quelqu'un, il est bloqué là. Le problème, c'est que après, ça va être violence policière et tout, donc... Non mais il est bloqué. Tiens, moi, essaye de le casser avec un coup de patate. Essaye de le pousser, je le pousse. Bon. Ça se trouve, ça va marcher. Okay. Ah, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, monsieur, toutes mes excuses. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Bien évidemment. Monsieur Marcus Smith. C'est ça, c'est ça. Pas de soucis, je vous la rends. Monsieur Smith, mettez-vous contre la voiture, s'il vous plaît. Encore comment? On attend deux secondes. Monsieur, là, vous montez dans cette voiture, là. C'est la vôtre? Non, c'est au quartier, moi. C'est au quartier? Oui. Mais pourquoi vous montez dedans, là? Bah, c'est au quartier. Est-ce que vous faites un contrôle de la Grove Street, man? On la ramène. Non. Bah, si la plaque est pas à votre nom ou au nom d'une personne que vous pouvez demander qu'elle vienne la chercher, c'est un véhicule volé. Oh, ok, ok, man. Je fais la vérification 11. Au pire, l'élu c'est droit et il faut y aller. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de droit. Hein. Monsieur, on l'a pas vu vendre, monsieur. Bah, refus d'obtempérer. Ouais. Alors. Monsieur, est-ce que vous avez. Attendez, je vérifie quelque chose. 84BDW 788. Ah, est-ce monsieur. Que vous avez sur vous, je vais procéder à une fouille, est-ce que vous avez sur vous des objets qui pourraient me blesser ou vous blesser? Blessé non, mais vous mettrez bien oui. D'accord. Il appartient à Abdul Michel le véhicule en premier lieu, je refais une vérification. Ah ouais, Abdul, je le connais, c'est tonton. Abdul Michel? Ouais, ouais, Abdul, c'est tonton, man, tu connais pas. Bah, je vais refaire une deuxième vérification. Donc, ok. Les pochons de weed. Ouais, ouais, je comprends mieux personnel. Le coup. Ah, bah non, c'est plus de 5. Ah, c'est et pas 8 Ah. Non, c'est pas 8. Ah, merde. Le véhicule appartient en second lieu à monsieur Gennaro Mamon. Donc, ouais, c'est un véhicule. Bah, ouais. Non. Que vous voulez, ouais. Ah, mais voilà, c'est pas moi qui l'a volé. Voilà, autant tu comprends. Bah ouais, mais pour l'instant c'est vous qui étiez monté dedans et qui étiez prêt à vous barrer avec, donc bon. Ouais, je comprends, moi. Bah ouais, je comprends que tu comprends. Bon. Bah c'est bien que tu comprends que je comprends que je comprends. Bah ouais, on se comprend, quoi. Ouais, bah voilà, bah c'est bien que tu comprends que je comprends que je comprends que tu comprends. Bon, je t'ai pris des 6 de weed. Oh là là, man, ça coûte cher en plus, oh là là. Bah en parlant de cher, la thune que t'as sur toi, c'est pas de la vente, par hasard? Non, je viens d'arriver, man. La tête d'or, je viens d'arriver. T'es sûr? Je te jure, man. T'es sûr de sûr? Sûr de sûr, man, je viens d'arriver. Mais vraiment. Regarde-moi dans les yeux, là. Dans les yeux, je viens d'arriver, man. Putain, c'est con, je te crois pas. Pourquoi tu me crois pas, man? Tu veux quoi comme preuve? Regarde, man, à part les poissons qu'on m'a donné, man, j'ai même pas de nourriture, j'ai qu'une seule radio. Vérifie le casier si monsieur est déjà des infractions et tout.
puis après je vais fouiller le véhicule, parce que je trouve des trucs dans le véhicule. Ouais, vas-y. Répétez votre nom, prénom. Monsieur Smith, c'est ça? Marcus Smith. Marcus Smith. Deux secondes, c'est qu'il met un petit peu de temps le casier judiciaire. Marcus Smith. J'ai rien dans les registres. Rien? Non. Ok. Parfait, ça va être une ouverture de casier en plus. Faut ouvrir le champagne. Lourd. Attends, vous avez un champagne, vas-y, lourd, lourd, lourd. Du coup, tu veux que je lui lise les droits, 11? Non, non, pas encore. Oh man, c'est bon, ça se refrappe. Ah, c'est on va passer en DEFCON 2, j'ai plus besoin de ça, moi. DEFCON 2, c'est quoi ça? Et la ville est en... La ville est chaude, mais pas assez chaude pour que j'ai l'arme dans les mains. Ok, ok. Ah, moi, tu m'as fait peur avec l'arme, moi j'ai bon. Pas... Est-ce qu'il y a quelque chose dans le véhicule? Non, y'a rien. Non, y'a rien. Dommage, bon. Moi, mon but, c'est juste de vivre ma petite vie avec une petite consommation personnelle, vivre ma petite vie tranquille. Je demande à personne, t'as vu, je suis pas une mafia italienne, voilà quoi, man. Je viens de Gaufrey, trop calme. Et du coup, vous. Vous parliez à tous les gens là qu'on a vu. Vous leur parliez, vous lui disiez, vous lui, leur faisiez voilà, la bise. On fait une promo, vous êtes pas au courant? Non. De l'épicerie à Grove Street, il va faire un kebab. Dans l'épicerie, un mini kebab et tout. Du coup, vous préveniez tout le monde. Ah ouais, on fait de la promo, man. Comme ça, on se fait de la thune. Ouais, je comprends. Donc, vous habitez à Grove Street? C'est ça, man. Que vous vous revendiquez d'un groupe particulier? Pardon, man. J'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous vous revendiquez d'un groupe particulier, en particulier? Ouais, ouais, le Ballas Gang. Ok, bon, comme ça, c'est fait. Ce sera marqué dans le casier. Ok, bon. Mais on va faire un 10-19, hein. Avant on va lire les droits. On lui lit ses droits peut-être. Donc, ouais, parce que sinon. Alors, on compte. Refus d'obtempérer. C'est tout. Détention de drogue. Détention, donc, j'ai pas vendu, moi. Ça veut dire quoi, détention? Ça veut dire que t'as sur toi. Ok, ok, bah oui. Donc, c'est 6 pochons de weed. C'est ça. Bah, on va mettre la conduite d'un véhicule volé. Hein. Mais j'ai pas conduit, je suis même pas. Est-ce que tu m'as vu conduire, man? En vérité, je suis monté en arrière. Je suis monté à l'arrière, man. Mec, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu veux me prendre pour un con et me dire que t'es monté à l'arrière de ton plein gré et que tu t'es pas trompé? Moi, ouais, je suis monté à l'arrière parce que je comptais me cacher derrière le siège. Ouais, alors qu'on est 2 mètres derrière toi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas le permis, mais pourquoi je vais conduire? C'est totalement illégal. Pour te barrer? Mais ah non. Ouais, parce qu'avoir de la weed sur toi et pas t'arrêter devant les flics, c'est pas illégal peut-être. Ouais, mais c'est ma consommation. Bah après, man, tu me suis avec, je sais pas, Squalamp, sinon tu vas me corriger. Tout à l'heure, bon, vas-y, je vais appeler ça une lampe qui fait peur. Bah, elle fait peur, man. Imagine, monsieur le flic, quelqu'un vous suit avec une lampe comme ça. Vous réagissez comment? Bah déjà, si c'est la police, je m'arrête. Il me demande de m'arrêter. Mais comment je sais si c'est la... Moi je connais pas la police d'ici, moi je viens d'arriver, je sais même pas comment ils sont habillés. Mais tu me prends pour un con ou quoi? Sur mon gilet pare-balles, il y a marqué quoi? Ah mais moi j'étais pas derrière toi, man. Ouais, mais ça fait 3 fois qu'on fait le tour du quartier et tu nous as bien vu avec le véhicule là. Mais je suis même pas encore allé au quartier, man. Ils sont venus chercher l'aéroport. Le quartier là, autour là. Quand t'étais avec tes potes, quand vous étiez en train de vendre de la weed dans le coin. Mais moi je vendais pas de. Mais non, on faisait une promo, man. On faisait une promo. Ouais, ouais, une promo sur quoi? Un kebab qui va ouvrir à l'épicerie de Grove Street. Oui, c'est ça. Ah, mais vraiment, man, vraiment. Et tu la promouvois avec un peu de weed? Non, la weed c'est personnel. Oui, man. Oui, bah oui. Mais sauf man, que j'ai fait, consommation j'ai fait 6 personnelle, pour l'instant, t'en as trop sur toi. J'ai fait 6 heures d'avion, je dois me détendre après et tout, tu comprends, man? Non, je comprends pas, non. Ah bah, je peux t'expliquer. Non. On les a tous fait les 6 heures d'avion, monsieur. Ah bah ouais, vous venez. Je les ai fait, les 6 heures d'avion, je les ai fait. Pourtant, je suis pas descendu, je me suis pas enfilé un jour. Oui, mais man, vous êtes pas accro. Moi, je suis accro, genre, j'y peux rien. J'essaie d'arrêter. Déjà, man, je suis passé de 63 à 16. C'est pas mal.
À New York, man, c'était 63 par jour. Je m'arrêtais pas. Je fumais plus que je respirais, man. 11, je vais lui lire ses droits parce que sinon. Bon, tu alors, mets pas le véhicule volé. Juste. Alors, je vais me concentrer. Bonsoir monsieur, je suis cadet 56, il est 1h du matin et c'est à cette heure-là et c'est cette heure-là qui compte pour le début de votre garde à vue. Vous êtes en état d'arrestation pour refus d'obtempérer et possession de substances illicites. Tout ce que vous direz à partir de maintenant sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat payé à vos frais ainsi qu'à un médecin. Si aucun avocat n'est disponible, la procédure suivra son cours. Vous avez le droit d'avoir à boire et à manger. Avez-vous compris vos droits? Du coup, oui. Vous les avez compris? Ouais, lourd. Est-ce que vous voulez exercer un de vos... Ouais, s'il te plaît, c'est à boire et à manger. Juste un petit truc. J'ai pas vraiment faim, je veux juste en le couper l'appétit complètement. Je suis possible. Je lui donne, t'inquiète. Merci, merci, man. T'es un bon. Hop. T'inquiète, c'est sandwich sans porc. Oh, bon. Eh, hey, man, quand tu viendras au kebab qui ouvrira, je te dis, je te donnerai un kebab gratuitement. Pas de problème, monsieur. Est-ce que vous pouvez monter à l'arrière? Mayonnaise, sauce tomate, tout, man. Je te mettrai tout. Vous pouvez monter à l'arrière, s'il vous plaît? Vas-y, vas-y. T'aimes bien les champignons, man? T'aimes bien les cornichons, man? Moi, j'aime pas les cornichons. Toi, t'aimes les cornichons? Ouais, moi, j'aime bien. Libérez Marcus! Parle douce, ton collègue. Si tu veux pas que je m'énerve, t'as intérêt à descendre de là très vite. Le véhicule est fermé, monsieur. Vous pouvez plus sortir. Ah merde, non, pardon. J'ai pas. Ça a glissé. Libéré. Est-ce que vous délivré. Connaissez les collègues qui crient là? Ah, j'entends pas, man. Ah, t'entends pas? Non, mais. Libéré Marcus, libéré Marcus. Ah non, man, la vitre est fermée. Comment tu veux que je t'entende, man? Lourd. Bon, monsieur. C'est de la consommation personnelle que vous me dites, c'est ça? C'est ça, c'est ça, man. Est-ce que je peux savoir où est-ce que vous l'avez eu? Alors, man, je t'explique. Moi, là, moi, je suis venu de New York et tout, j'étais à chaud. J'avais déjà des numéros et tout, du quartier, parce que j'étais né au quartier, ensuite je suis parti à New York et tout, voilà quoi. Ensuite, man, j'ai appelé, j'ai dit venez et tout. Je leur ai dit ramenez-moi ce que j'avais laissé dans mon coffre et tout, là, hein. J'avais fait des trucs, ils devaient me les rendre. Ils m'ont ramené 7 pochons qui étaient à moi, man. Ensuite, j'en ai pris un dans l'aéroport et tout, dans la voiture et tout, pas dans la voiture les flics. Je l'ai pris comme ça, dans ma voiture et tout, j'étais posé. Quand je t'ai dit posé, c'est posé. Ensuite, man, ici, je les ai gardés dans ma poche. Ensuite, on est parti à l'épicerie. On n'est même pas encore rentré au quartier. Donc, je n'ai pas déposé ni argent ni rien. J'ai vu que Apple, il était en train de construire un kebab et tout. C'était trop stylé et tout. Je lui ai dit, vas-y, courage, courage, courage. Après, man, il nous a donné des faits. Il nous a dit, les gars, pour moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire la promo? Ensuite, on est sorti faire de la promo. D'accord. Voilà. Ces numéros au quartier qui vous ont fourni votre console, vous pouvez me les donner ou pas? Non. Pourquoi? Bah parce que. Parce que quoi? Bah parce que c'est personnel le numéro de téléphone de la personne qui me l'a donné, c'est pas pour vous le filer. Ah, mais vous enfilez quand même du canard. Bah c'était le mien. Oui. Mais. Ah l'ancienne, je l'avais prêté, ils me l'ont rendu. C'est resté dans le casier pendant des années. Bah non, ils l'ont utilisé et ils m'ont rendu ce qu'ils ont utilisé. Bah ouais, bah du coup. Bah ouais, du coup, c'est pas vraiment le vôtre. C'est pas celui à l'ancienne, c'est du nouveau. Bah c'est, je m'en fous, ça reste le mien. Bah ouais, mais. C'est bon, c'est terminé. Et vos potes qui étaient. Vos potes qui étaient avec vous là. Mes potes? Ouais, vos potes. Ouais, bah c'était mes potes. C'est quoi leur petit nom? Je sais pas. Vous connaissez pas le nom de vos potes? Non. Mais bah c'est des sacrés potes? Ouais, c'est mes meilleurs amis. Et vous connaissez pas les prénoms de vos meilleurs amis?
Pas même du pas tout. un surnom. Pas un surnom. Vous êtes pas très coopératif, monsieur. Pourquoi? Mais je dis que la vérité, moi. Vraiment, vraiment, ouais. Je connais personne. Moi, tu sais, on s'en fout un peu des prénoms et tout, man. Moi, je suis venu. Le OG m'a dit, tiens, c'est bon, courage, viens en ville et tout. C'est bon, je suis venu, man. Bon, chiche. Je suis arrivé comme ça. Tac. J'ai même pas demandé le prénom et tout, c'est bon. Bah, les couilles des prénoms. Dans tous les cas, même si je les avais, je te les donnerais pas. C'est personnel, un prénom. Hey man, ouais. Dans mes droits, il y avait écrit que j'ai le droit de ne pas répondre aux questions. Mais t'as le droit de garder le silence. Bah, je vais garder le silence. Vas-y, parle tout seul. Ok. Tu sais que je peux te garder là 48 heures si je veux. Pourquoi? Bah, parce que. Pourquoi pas? C'est mon droit. J'ai le droit. Ouais, mais tu respectes pas la loi. Ah, suite à une procédure, j'ai le droit de se garder 48 heures ici. Bah vas-y, fais-le. Ce serait con quand même. Bah je vais pas donner les blouses. Même si je le connais pas. Bah là, je le connais pas. Il y a personne de l'époque où t'étais là qui y a encore du monde. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Ah, ah, si, mon chien. D'accord. Mais c'était une chienne, elle s'appelait Luna. Ok. C'est déjà bien, non? D'accord. C'est déjà bien. Rien à foutre. Ok. C'est pas ça que je veux savoir. Tu veux savoir quoi? D'où vient cette weed? Bah, je t'ai déjà expliqué. Ouais, mais tu me prends pour un con. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. J'ai demandé d'où provenait cette weed. Tu sais rien sur le fonctionnement de ton quartier? Non, rien du tout, mais vraiment rien du tout. Tu me dis qu'à l'ancienne t'avais fait des trucs. Ouais. T'avais obtenu cette weed à l'ancienne et tout. Oui. Et tu me dis que tu sais pas comment fonctionne ton quartier. Pas du tout. Et à l'ancienne, comment tu l'as récupéré la weed? À l'ancienne, j'envoyais quelqu'un. Comment ça? J'envoyais quelqu'un me chercher ce qu'il me fallait. Il allait le chercher où? Bah, je sais pas moi. Il avait des contacts, il disait pas me chercher ce que je veux. Je suis en train de remplir son. Je suis en train de remplir le casier là sur le panel. Et je vois homme, femme, non binaire, autre. Je suis un homme. Ouais. Pour info. Hein. Okay. Ok, pas de soucis. Te trompe pas. Non binaire. C'est quoi ces trucs de licorne? Non binaire. Comment ça se passe? Moi je suis un. Mec, c'est un homme, c'est tout le point. Moi je suis un F35 à tourelle pivotante. Ouais, c'est une plaque d'immatriculation, ça. Ah, arrête. Je suis un hélicoptère d'attaque. Ce débat, mais mec, c'est homme. Ok, pas de soucis. Pourquoi tu me regardes? Tu vérifies? Non. Ouais, c'est alors, bon, du on coup. Était de quoi? On en était où? On était l'époque qui c'est qui allait le chercher. Enfin, comment il allait le chercher? Je sais pas. Je lui disais pas me chercher, j'ai besoin de ça, je lui donnais l'argent, il partait me chercher. Il me disait t'inquiète, j'ai des contacts et tout, je lui donnais, c'est tout. Ah ouais, donc en fait tu t'en battais les couilles d'où ça venait quoi. Voilà, t'as la réponse, voilà. Eh mais et toi tu fumes ça? Bah ouais. Et même là, t'es sorti de l'aéroport, t'as fumé ça. Alors que tu sais pas d'où ça vient. Ouais mais tranquille, c'est bon, j'ai vu que c'était de la pelle couche. Bon. Les mecs ils peuvent te donner de la merde, tu vas fumer de la merde. Ouais mais je fais confiance. Tant que c'est le OG qui m'a dit prends de chez eux, c'est bon.
Et ton G. Bon man, c'est bon. Ton c'est bon, G, j'ai le droit de garder le silence. C'est bon, je veux plus continuer. Ok. C'est toi qui vois. Hein. Ouais, je veux plus continuer. C'est quoi le prénom de ton G? C'est pas tes affaires. Bon, je suis sûr qu'on a déjà l'information, mais je te le demande. Bah garde ton information. T'es Ballas, c'est ça? C'est ça, man. C'est pas madame Niels? C'est ça. Mia Niels? C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis ouverture d'autres casiers judiciaires. Hop, effectué. Maintenant, on va le remplir. Bon. Voilà. Alors, je te... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, t'es coincé dans la lampe. Ah, c'est bon, ok. J'ai vraiment des problèmes de cerveau. Ah ouais, toi, vraiment, hein. Ok, qu'on soit bien clair. Ce que je t'ai dit, hein, les 48 heures, c'est véridique, hein. Si je voulais, je pourrais te garder là autant de temps que je le veux. Okay. Dans les 48 heures. Et je pourrais même t'interdire d'aller pisser et manger, si j'avais envie. Bah, je vais te pisser, là. Ah bah, après... Normalement, ça va retourner dans les cellules et... Tu veux... Et tu mets quoi, il réussit, quoi. En vrai, je peux garder mon pipi, je peux ne pas manger, ça me cause pas de problème. Voilà, one life. Non, mais voilà, ce que non, je te je dis, te pisse c'est que ça aurait pu se passer comme ça, mais voilà. Ça va pas tu se passer comme ça. Bah, tu fais... Refus d'obtempérer, divisé par deux. Ok. Parce que c'est plus que la détention de langue. Ok, bah ça fait Putain, je suis nul en maths. Ça fait 435, je crois. 475. C'est pour ça que t'es ref. Non, 425. Mec, deux secondes. C'est combien refus d'obtempérer max? Je crois que c'est 750. Mais vous le faites exprès, ouais. Ça fait ouais. Ça fait 350. 325. 375. Voilà. Non mais le gars il me dit ouais ça va faire 450, 425. Je lui demande combien ça fait. Ah bah 700. 300 max. 750 max. Tu crois pas que les comptes sont pas bons, Kevin? Attends, je vais regarder. Oh là là, mais Kevin. Mais c'est 300. Oui, c'est 750, ça fait 375. Voilà. Bah, tu mets 375. Bon, bah, c'est parti pour 375 euros d'amende. Je paye carton. Je veux pas payer l'amende, moi. Vas-y, moi, tu peux pas la payer pour nous. Alors. Contre 10 000 dollars, je te donne toutes les informations que je connais pas. T'inquiète pas, les informations, on les aura. Ok. Ou on les a déjà. Lourd. Et voilà, monsieur, à payer sous 7 jours, sinon est-ce que j'aurai. Pourquoi 7 jours maintenant? Ah bah. Tu peux le remettre en cellule le on temps est que millionnaire. Je... Ouais. Non mais là, c'est fini, hein. On me sort. Tu le sors? Ok. Oui, je le sors. Tu sors ou tu sors? Dédicace à personne, fallait être là. Yo man, ouais, c'est le carton là-bas noir, noir à droite, au milieu. Merci man. Ouais, c'est lui, c'est lui, ouais, c'est ça. Voilà, merci, merci, c'est bon. Et moi, tu me rends pas mes pochons? Tu veux vraiment un coup de matraque dans les jambes, toi? Vas-y, un seul, s'il te plaît, man. Juste me bébé sur la route. Un seul. Dégage. Franchement, dégage, alors je vais venir. Luigi, il est parti pisser. Attends. Non, mais je suis dégoûté. Comment ça, elle est mariée sans mère? Mais en plus, elle est mariée en haut île. Non, mais... Attends, qu'on gratte son nu. T'as vu, heureusement que j'ai attendu 4. Madame, viens les mariés en île, fils de pute.
On vient vite avant que t'encules. Madame, est-ce que vous faites vite avant qu'il y ait la guerre, fils de pute. Des trucs de loterie. Alors, s'il faut faire des promos, il faut voir ça avec mon patron ou ma patronne. Alors, mon patron, c'est le monsieur avec la veste en cuir et les cheveux courts là-bas. Ok. Et les lunettes d'aviateur. D'accord. Sinon, c'est ma la copatronne Emma, la petite blonde qui gère. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro d'entre vous pour si jamais j'ai des questions ou des promos ou des choses à proposer? Ah, bah, vous pouvez tout simplement appeler le Yellow, vous savez. Ok, et c'est quoi le numéro? Là, tu prendras l'autre. Quand vous êtes sur votre téléphone, là, vous allez dans les appels et dans les favoris. Et en fait, vous, tout en bas, vous avez le Yellow Jack. Ok, ok. Merci, madame. Y'a pas de soucis. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Mais sans réussir. T'as eu son numéro, fils de pute? Non, non, je rigole, il me montrait comment appeler le Yellow Jack. Gros père de merde. Pire que moi. Je mérite pas de prendre la voiture. Hein.